السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي شيخ، اليوم لنا 14/09/2013. ماذا بي يعني ندخل في بعض التفاصيل ونعود نذكر الأيامات اللي جرات في اليوم وين استعمل السلاح الكيميائي في ناحية الغوطة اللي جاية في المناطق سير دير بعاصمة سوريا دمشق. يعني اليوم بعد وين بدأت هذه اللجنة التحقيق استعمال الأسلحة الكيميائية اللي تابعة لمجلس الأمن، كانت يعني حطت في دمشق وكانت متجهة الخان العسل، ومن بعد غيروا لها البرنامج بتاعها وصبحت يعني مرتبطة بالشيء اللي جرى في الغوطة الشرقية. إذا من هذاك اليوم، على كل حال، هي في الحقيقة كانت مؤامرة داخل مؤامرة، والمؤامرة الصغرى هي يعني هذا التحرك بالأسلحة الكيميائية من طرف الإرهاب، ويلبس الدولة السورية هي اللي استعملت هذه الأسلحة الكيميائية، ولهذا يعطي فرصة للولايات المتحدة أن تستعمل بمثال الطيارات بتاعها الحربية وهكذا يعني تسهل الهجوم من طرف الإرهاب اللي كان يعني مركم سير داير على 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 العاصمة السورية، أن يدخل للعاصمة ويقوم بتدمير الدولة والانقلاب اللي حاولوا يعني ينجحوا فيه منذ 2.5 سنين. ولهذا تقدمت يعني بهذا الدراسة اللي ممكن تفيدنا يعني نقراها باللغة الفرنسية. بسم الله الرحمن الرحيم. Dès le complot exécuté par les salafistes takfiristes dans la banlieue de Damas à El Ghouta Est, au moyen de l'utilisation de produits chimiques contre des civils, les présentant encore comme des victimes exécutées lâchement par l'armée arabe syrienne au moyen d'une arme de destruction massive telle que le gaz sarin, juste assez pour donner aux USA le droit d'intervenir militairement contre l'État syrien par un bombardement massif afin d'ouvrir la voie à des milliers d'hommes armés véhiculés, mercenaires de tous les bords pour prendre Damas. L'offensive rapide et bien faite de l'armée arabe syrienne autour de Damas, encerclant finalement ces terroristes, les exterminant en grande partie autour de Damas, a fait échouer leur plan que les USA, par un bombardement massif et brutal, voulaient sauver le plan. Il a fallu d'une nuit absolument sans lumière pour déplacer un certain nombre de systèmes antimissiles, antiaériens, de défense aérienne, les S-300 que les Syriens jusqu'ici tenaient secrets pour dissuader les forces aériennes américaines de tenter le coup pour le coup. D'où la première volte-face de Barack Obama, d'en référer au Congrès des États-Unis pour gagner du temps et mieux construire une éventuelle attaque de la République arabe syrienne. Pendant ce temps-là, les Russes n'ont cessé finalement d'aligner des destroyers et des bâtiments de guerre pour protéger de mieux en mieux la République arabe syrienne. Quelques jours après, les stations radars russes avait détecté le lancement de deux missiles balistiques en Méditerranée, en direction finalement de l'Est, lesquels ensuite étaient tombés en mer. C'est ce que nous avons entendu parler. Deux missiles donc balistiques lancés par les Américains contre la République arabe syrienne et qui furent en fait abattus par des systèmes antimissiles russes pour éviter que les USA ne perdent leur superbe, ne perdent la face. Le ministère de la Défense israélien inventa ou finalement
dit ce qu'on lui demandait de dire, inventa donc un scénario nouveau disant que l'exercice entre les USA et Israël de tir de missiles et de contre-missiles s'est terminé avec succès. Est-ce une véritable attaque nouvelle contre la République arabe syrienne par un destroyer US au large de la Méditerranée ou d'une base américaine en Espagne, ou bien des tirs à blanc pour tester les défenses antiaériennes syriennes, ou encore de faire peur au peuple syrien, ou de désorienter la communauté internationale. Le face-à-face sérieux des Russes vis-à-vis des Américains a ajouté un peu plus de confusion dans l'administration américaine, et le départ d'Obama au G20 prévu en chef de guerre s'est transformé en président désœuvré et en quête d'une sortie honorable. Ainsi, Barack Obama aurait réalisé qu'il n'avait d'autre choix que d'être contraint à la volte-face diplomatique spectaculaire à laquelle on assiste en ce moment. D'accord avec Moscou sur une tactique de sortie de crise, ainsi que le gouvernement russe a volontairement caché finalement la vérité d'avoir abattu ces deux missiles balistiques américains pour éviter l'humiliation aux États-Unis, et aurait donné son accord préalable du scénario consistant à demander à Damas de signer la convention contre les armes chimiques et de mettre à la disposition finalement de la communauté internationale et du Conseil de sécurité des Nations Unies son arsenal chimique. Le revirement américain et leur menace de bombarder la République arabe syrienne et celui de prendre en considération la proposition russe acceptée par Damas relative aux armes chimiques, le porte-à-faux finalement de la diplomatie française qui continue encore à s'acharner sans appui finalement. Un changement géostratégique majeur est en cours au niveau du Moyen-Orient, une nouvelle époque est en train de naître en fait. Dans cette cour des grands, la République arabe syrienne a sa place de par son indépendance de sa décision politique et de sa disposition géostratégique, finalement, qui a occasionné ce changement géopolitique, géostratégique au niveau du monde, et cette unipolarité est en train d'être complètement dépassée. Voilà, c'est à peu près le côté pays indépendant dans sa décision politique et pays non indépendant dans sa décision politique. La Turquie n'est pas un pays indépendant dans sa décision politique puisqu'elle fait partie finalement de l'Alliance Atlantique de l'OTAN où il y a des pays plus forts qu'elle et donc elle est obligée d'obtempérer à leur désirata. Donc la France est devenue une espèce de colonie finalement de l'Union Européenne et l'Union Européenne elle-même une espèce de laquais des États-Unis. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire, mais je continuerai avec une autre vidéo un peu plus développée concernant finalement cette décision de la Syrie d'adhérer à cette convention utilisation d'armes à destruction massive. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.